Et bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dying Light, les vidéos bonus. Et dans cette vidéo, nous allons tenter de faire la quête Fusée de Détresse. Donc, regardons la quête Fusée de Détresse. Zaïd fabrique des fusées à UV pour Ice, mais il est à court de poudre, de zinc et de térébenthine. S'il n'a pas assez de fusées quand les hommes de Ice arriveront, ils vont le tuer. J'ai accepté d'aller chercher le zinc pour l'aider. Bref, voilà. Donc, niveau difficile. Donc là, on va en chier un peu. Je vous cache pas. Allez, c'est parti, les amis. Fusée de détresse. Vamos. On va essayer de se la faire tranquille. En mode posé. Pas être trop loin. Loupé, c'est pas grave, on va remonter. On va attendre que le grappin se remette à zéro. Nickel. Alors, il y a l'air d'avoir du monde à l'intérieur. Non, mais je peux vous avoir un par un. Silence, j'ai entendu un truc. Oh, ça me carabine. Foiré. Ah, ramasse ta jambe. Tu vas crever pour ça. Tu m'entends? Non, non, toi par contre, oui. Voilà, ça c'est fait. Il y en a un autre ici normalement. Là. Lui, c'est fait. Alors je vais changer d'arme et je vais me mettre le fusil de police à la place de la machette là. Non, celle-là. Perdu. C'était celle-là que je voulais modifier. Toi, tu viens là. Voilà. Tu viens de faire une grosse erreur. Viens là, toi. Là. Lui, c'est fini. Bon, par contre j'ai attiré les zombies, on va pas se mentir. Donc là faut que j'aille dans le hangar. Maintenant que j'y suis, on va descendre. C'est bien ce qu'il me semblait. Allez, viens là. Allez, viens là. Voilà, ça c'est fini, on n'en parle plus. Ok, on va descendre les amis. Là j'y suis. Maintenant faut que je fouille les conteneurs maintenant. Faut que je fouille les conteneurs. Allez, venez là. Je crois qu'elle est morte. Ouais, c'est bon. Bon, on va commencer à fouiller les amis. C'est parti. Oh, échappe, échappe, échappe. Qu'est-ce que tu fais là? Allez, allez, remonte. Ok, bon, on va faire péter des pétards. Comme ça, on va pouvoir les tuer tranquillement. On va les envoyer directement là-dedans. Allez les gars, on y va. Wow. C'est fait. Allez, vas-y pépère. Allez, on crame. Voilà, il crame, c'est cool. C'est un peu l'objectif en même temps. Bon, attendez, est-ce qu'il y en a un là-bas qui a du mal à crever? On va lui filer un coup de main. Voilà. Là. Là, là, ça c'est bon, c'est fait. Ça, on n'a pas besoin d'y revenir comme ça. Là,
crois qu'ici on est bien là. Il y en a un autre ici là. Sérieux? Genre tu montes maintenant toi. Genre maintenant ils montent en fait les types. Alors on va s'asperger. Voilà, comme ça au moins je suis un zombie pour eux. C'est parti. Alors ce qu'il y a. Là j'ai la poudre de zinc. Ok. Ici. Là j'ai quoi? Là j'ai un coffre. On va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. Nickel, du café. Hop là, il y a une autre caisse. On va pas passer à côté des caisses hein, parce que le contenu, ça peut être utile. On va profiter pour se gaver. Là, nickel. Ça c'est les ressources que je pourrais utiliser par la suite. On va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Allez, regardons. Il y a quoi là? Poudre de 5, c'est bon. Ça c'est fait. Alors maintenant, faut jouer à la térébenthine. La térébenthine. Bah viens. T'ose pas. Hein. Bon, attends, j'ai tué un coup de main. Voilà. Pas de soucis, moi je suis pour le partage moi. Alors faut que j'aille là-bas. Est-ce qu'on peut monter en haut là? Ah d'accord, bien joué Alex. C'est les grappins qu'il me faut. Ah c'est bon. Faut que je monte ici. Enfin que je descende ici plutôt. On va descendre en mode safe quand même. Parce que je sais pas s'il est vivant ou pas lui. Ouais il a l'air mort. Ouais c'est bon. Ok, c'est parti. Il y en a, ils savent, on sait même pas d'où il sort. Moi, il y a l'air de rien avoir ici. Ok, en vide. Oh, où ça? Bah, de l'autre côté, je pense. Oh, la gaz, ça veut dire. Faites des bandages, les gars, il y a du zombie. Ok, on va aller voir ce que c'est. Voilà, c'est pas ce qu'il me semblait. Voilà, fais dodo. Et donne-moi du skill. Wow. Voilà, lui, c'est fini. Voilà. Ça c'est fait, on n'en parle plus. On va tout de suite voir si on n'a pas des items qu'on peut péter quoi en fait quoi. Genre les machettes là elles sont pas ultra efficaces, la clé aussi. Voilà comme ça on peut récupérer ça. On peut ouvrir la caisse et prendre le contenu. Nickel. Voilà. Et j'ai la térébenthine, c'est cool. Écoutez, ça m'a pas l'air mal, hein. On a l'air d'être bien là. Puis en plus on s'est gavé sur cette quête, on va pas se mentir. De la bouffe, du café, des gaz à crever, franchement on s'est gavé là. Voilà, on va essayer de sortir par là. Je sais pas par où ça mène, mais bon. Oui, ça a pas l'air terrible ici là. Hop là, on va essayer de se rendre là-dessus en mode save. On peut l'ouvrir ça ou pas? Ouais. Allez, donne-moi le contenu là. Nice. Une caisse humanitaire, ça c'est cool. Ok les amis, on remonte et on est reparti. Ouais bah elle est pas si difficile que ça cette quête. Hein. Enfin moi je trouve.
Après ouais, faut se la jouer sérieusement quoi, mais j'ai eu des quêtes quand même qui étaient censées être intermédiaires, qui étaient beaucoup bien plus dures que celle-là. Après c'est mon avis personnel bien sûr. Donc là on va rejoindre la zone de la quête qui est donc ici. C'est parti. Alors, t'as trouvé? Fais voir. Oh oui! Oui, c'est génial! Tu me sauves la vie! Je crois que c'est le début d'une magnifique... Arrête tout de suite, on n'est pas amis. Non! Bien sûr que non! Une magnifique collaboration! Même pas. Écoute, tu m'expliques comment tu fabriques tes fusées et je m'en vais. Ok, ok, pigé. Marché conclu. Reçu 5 sur 5. Arrête! Je me tais. Allez voir Zahir. Mais je suis au début, hein. Ah voilà, c'est bon. Donc plan fusée Zahir. Ah, ça c'est pas mal ça. Alors du coup on a fini la quête, on va quand même hop, regarder le plan, vite fait. Le plan de Zahir. Alors, c'est fusée. Fusée. C'est où là? Fusée Zahir. Zahir est loin d'être bête, et c'est pour ça que ses fusées brûlent beaucoup plus longtemps que les autres. Le point négatif, c'est qu'elles sont plus dures à produire. Donc il faut une boîte de conserve, un produit chimique et un produit domestique. Bon ben voilà. Donc désormais on peut faire ça, c'est cool. Je sais pas si vous avez vu, ici on peut faire des bombes de Kurt aussi, hein, mais on les a appris dans une des quêtes précédentes. Hein. Des bombes très 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 efficaces. Oui, placer des pétards et des clous dans une boîte de conserve et regarder les résultats, ne vous brouillez pas les doigts. Ça peut être sympa, faire des bombes. Donc voilà pour ce qui est de la quête, de la quête pour cet individu là, hein, qu'on vient de faire. Et du coup, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo bestiaire, une prochaine vidéo bonus sur Dying Light. A très bientôt les amis.